Ok. Le fait. Ça me fait. Chope. Robin. Boa. Bom. E o som. Nami. Zero. La couleur est horrible. Et c'est couleur brun gris. Là, sur Brooke, au lieu d'être d'avoir un crâne blanc, c'est un crâne gris foncé. Donc les couleurs n'est pas du tout adaptées. Et là, par exemple, sa veste de bois, c'est du rouge sombre foncé. Donc, ça c'est pour tenir derrière. Deux trous pour le pied. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper, puisqu'il y a un grand trou, un petit trou par rapport au support. Il y a un picot plus large et un picot plus petit. Je vais faire rentrer déjà le bâton dans le derrière. Avant, ça rentre pas. Par contre, la position n'est pas terrible. Il est rabaissé. Et qu'on ne voit pas du tout la figurine. Ben, on le voit comme ça, quoi. Au lieu d'être soulevé légèrement, qu'on puisse voir le visage et tout. Et là, c'est pas ça. Il est rabaissé. Là, on voit mieux le dos, mais pas le devant. En plus, avec la lourdeur de la tête. Deuxième personnage. Zoro. Donc pareil, je vais utiliser la première tige en premier pour pouvoir le mettre tenir debout. Après, Usopp. Ah, il met Nami ici. Nami, et c'est Luffy. Et là, il met Zoro et j'ai Usopp.
Du coup, Nami à Brook. Les autres à Frankie. Donc, ça ne correspond pas. Ce qui explique peut-être que la forme n'est pas debout correctement. Donc, Usopp. On va voir si ça a l'air être correct normalement. Sanchez, celui-là c'est bon. Robin. Je peux tout et à l'envers. Frankie, c'est Hancock. C'est Luffy. Boa, c'est Zoro. On prend Troupe. Boa d'abord. Puisque je suis sur lui. On va prendre juste le support. On va faire comme ça. Donc, ce n'est pas pour lui. C'est plus. Oui. Donc, Zoro. Donc, il y a des erreurs. Apparemment, c'est bien pour le personnage, mais le nom, il y a l'erreur sur le nom. C'est bien pour le personnage. Donc, Usopp. C'est bien pour lui.
la peinture n'est pas faite sur son le prétel. Il y a le prétel qui n'est pas coloré, qui a la couleur chair. Il manque un objet pour la main qui tient son lance-pierre. La position des armes trop basse par rapport à la main. Sinon, ça c'est mignon, mais plein d'erreurs. Mal foutu. Donc, le mec qui a fait ça ne sait pas lire l'alphabet. Il lit que le chinois, apparemment, celui qui a imprimé la chose. Donc, il n'a pas compris ce qu'il a écrit. C'est un vrai, Clémentine. Peut-être couleur crise noire au lieu de blanc pour crainte de la main. Luffy. Luffy. Peut-être gris sombre au lieu d'être blanc. Le mec qui a peint ça, il n'a pas lavé son pinceau correctement pendant qu'il peint les cheveux en noir ou la veste en noir. Il a à peine trempé le pinceau avec l'encre, la peinture blanche, qui a touché de la peinture noire. Il a tout merdé. Du coup, sur la blanche, ça sort ou ça casse? Je sens que ça casse. Ça casse. Je pensais pouvoir retirer la tête, mais il semble que ça va casser. Non, lui, il se tient debout sur les genoux. Bâton dans le cou. Oui. La tête est très lourde, apparemment. En plastique molle. Ouais, tout est collé. On peut pas retirer les pièces. Tout est collé. Non, lui, il s'appelle Luffy. Luffy.
Bangkok. Bangkok. Le trou est sur la chemise. C'est très lourd. Ouais, du coup, c'est tout droit. Le bâtonnet. Je déteste ça. À chaque fois, ils font tenir les bonhommes, mais inclinés. Inclinés avec la face, la tête qui se dirige, la vue, les yeux qui se dirigent vers le bas. Et du coup, si on se met, positionne l'écran caméra en face, on ne voit pas le visage du personnage. Parce qu'il est trop bas. Il est penché trop bas. Au lieu de tenir droit comme ça, afin qu'on puisse voir le visage comme ça en face, ben non, on voit rien du tout parce qu'il est penché. Presque tous les personnages, sauf Zoro et Usopp. Mais sinon, tous les personnages ont tendance à pencher vers à cause du bâton, peut-être, qu'il a fait de façon incorrecte. Et du coup, le poids vers devant est complètement trop lourd. Complètement débile de travailler comme ça. Un petit trou pour deux petits pieds pour le personnage de Robin. Donc, ici Robin, selon le panneau de support. Donc, on va mettre le bâton dans le derrière de Robin, tout droit, le bâton. Ouais, ça permet d'aller assez profondément, du coup, c'est costaud. La peinture qui n'a pas été faite. Il y a la croix rouge qui n'est pas peinte. Tout comme Usopp qui a les bretelles, les deux bretelles qui n'est pas peint, qui a la seule couleur peau. Voilà. Donc, lui non plus, il n'est pas peint. Croix rouge. Sur le sac. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les cornes, qui est censé être brun. Ici, c'est noir. Parce qu'il utilise la même couleur que pour les yeux. Donc, ça évite de perdre encore une couleur pour la peinture. C'est comme un travail de porc. Ah non.
Plein de petits défauts comme ça. Avec les erreurs sur les noms des personnages. J'ai essayé de changer une fois le support, en fait. Chaque support est fait spécialement pour le personnage par rapport à l'écart des pieds et du bâton au milieu et du poids du personnage. Donc on ne peut pas changer le support pour avoir le nom et le personnage identiques. Parce que le support avec ces deux picots est adapté à chaque personnage par rapport à l'écart, au diamètre et à la position sur la planche en plastique, le support. Voilà. On ne peut pas changer pour avoir le nom exact par rapport au personnage, figurine. Donc, il faut le laisser par rapport à l'erreur qu'il y a. Donc, du coup, comme c'est un petit sac derrière le dos, il peut faire le trou plus profond pour faire tenir mieux le bâton. Croix-Rouge, oui, c'est ça, c'est Croix-Rouge, non? Sur le chapeau. Je me rappelle pas très bien, mais je crois que c'est Croix-Rouge. Et le sac aussi, c'est Croix-Rouge. Non, ils n'ont pas peint en rouge. C'est pour éviter de. Pendant qu'il peint ça en blanc, il fait pour la croix ici aussi. Comme ça, il ne perd pas le temps et la couleur rouge supplémentaire. C'est vraiment un travail de. Un travail de bricolage. Là, c'est mal fermé. La tête. On voit bien la grosse fissure pour la corne. Non, il y a plein de défauts. Donc, ça, ce qui explique le prix pas cher, pas trop cher, je pense. Parce que il y a plein de défauts, du coup, ça ne passe pas pour la qualité. Ça passe pour les déchets qu'on revend pour pas cher. Ça tient pas en plus, ça n'arrête pas de ressortir les pieds. Ça ne tient pas du tout. Personnage Chopper. 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 Se coller les lunettes.
Ça, la figurine s'appelle Zoro. Donc, Zoro, qui a le visage un peu écrasé, qui n'est pas trop en relief. La main, qui a été peint en couleur violet au lieu de la chair ici pour la main. C'est quoi ça? Ah, c'est la main. Ah, ça, c'est la manche. D'accord. Donc, très mal peint, donc, du coup. L'oreiller. La cape. Okay. Le trou. Comment je vais faire pour rentrer le trou, moi? Parce que là, ça gêne le bâton. Ah, c'est pas peint non plus. Ah, c'est pas peint ici. Du coup, au niveau peinture, c'est le plus dégueulasse. Donc, la collection, c'est très très mal peint. Il faut que je coupe les cheveux pour faire rentrer le bâton. Voilà, c'est impossible de faire passer. Vais faire rentrer le bâton au milieu des cheveux. Ça rentre pas.